Comme je sais que vous aimez le petit déjeuner, donc aujourd'hui je me trouve à Tel Aviv au David Intercontinental et je vais vous faire visiter le petit déjeuner de cet hôtel. Ayom anachnu nilmad et kol hamilim shel aruchat haboker. Kodem kol yesh lanu et ha lechamim. Avant tout, nous avons les pains, lechem, lechamim, de la confiture de fraises, ribat tutim, du miel, dvash, mais ça vous connaissez de Rosh Hashanah. Croissanim, des croissants, facile à retenir, du beurre, chema, rougalach, des croissants au chocolat et à la cannelle, inashtia, les boissons avec la citronade, limonade, le jus de pamplemousse, mitz eshkoliot, ou le jus d'orange, mitz tapuzim, une spécialité israélienne, le gâteau au fromage, ou gat gvina. Là, nous avons toutes sortes de salades. Janouk po kol minei salatim. Salat, salatim. Vepo ze ha gvinot. Ici, ce sont les fromages. Po ze ha pitsuchim. Ici, ce sont les graines des cacahuètes, botnim, des noisettes, egozelouz, des amandes, shkedim, des dattes, tmarim, des noix, egozim, des pistaches, fistukim. Bien sûr, pas un petit déjeuner sans les traditionnelles céréales. Dganim, dganim. Que diriez-vous d'un yaourt? Yogurt, yogurtim. Certains, lors du petit déjeuner, aiment manger des fruits, perot, tapuchim, des pommes, tapuzim, des oranges, bananot, des bananes, eshkoliot, du pamplemousse, melon, du melon. Et c'est pas la saison des pastèques, donc on n'a pas de avatiach aujourd'hui. Et bien sûr, la spécialité ultime en Israël, c'est la shakshuka. Je vais quand même profiter du buffet, puisque ça m'a donné envie tout ça. Je vais prendre des crêpes avec du Nutella. Crêpes im Nutella. Facile. Pour une formation d'hébreu complète, je vous attends sur acourdhebreu.com. Bon appétit, Beter Avon.